Salut à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce quatrième épisode de Oxygen Not Included. Alors, on continue là où on s'était arrêté. Nous avons donc créé ici de quoi faire des plantations. Très bien. Encore faut-il maintenant savoir l'utiliser. Alors, c'est le soir, très bien. Alors, 0 calories, donc ça c'est plutôt embêtant. On va continuer à isoler. Donc, isoler ici en bas. Alors, on a également ici, au niveau, on va voir, pour l'air. Donc, on a quelques petits soucis, c'est que, il y a un bouchon. Il y a un bouchon, et je ne sais pas comment le déboucher, à part en venant ouvrir ici. Voilà. Normalement, ça devrait diminuer un peu. Oui, ça diminue. Le bouchon sera bientôt un mauvais souvenir. Mais ça m'étonne quand même. Donc il doit filtrer l'oxygène. L'oxygène pur doit partir dans le réseau. Très bien, on reviendra après là-dessus. Au niveau de l'eau, c'est très bien, c'est envoyé jusque-là. On va commencer à planter. Alors, comment on va faire ça? Déjà, ici, on va mettre des portes étanches. Pour la simple et bonne raison que ben, ce sera plus, ça va garder la pression. 400, c'est pas énorme, mais ce sera déjà ça. Et nous allons commencer à planter des 1000 wood seeds. Nous avons un nouvel arrivant. Ah, un technicien niveau 11, c'est intéressant. Estomac sur pattes. C'est très bien en fait. Je vais le prendre. Et on va commencer à créer notre deuxième petit havre de paix. On continue à planter. C'est très bien. Et on va commencer à faire notre deuxième chez nous, enfin pour plus de monde.
Qu'est-ce qu'il manque ici? Ok, donc c'est statut normal. Je ne vois pas ce qu'il lui manque, mais tant pis, hein. Ok, alors. On va continuer avec ici au-dessus. Voilà. On va creuser. Et on va commencer à mettre des lits. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va faire attention ici. Alors, c'est quoi? C'est du CO2. Il y a énormément de CO2. Il y a énormément d'eau. Mais l'eau, c'est dangereux. On pourrait imaginer le mettre là, mais c'est... Pour l'instant, on va laisser la poche d'eau bien là où elle est. Alors, longue irrigation. Comment ça, mauvaise irrigation? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas compris? Ah, je sais. Enfin. Alors, fais grandir une plante avec... lorsqu'il est planté avec une graine. Peut être utilisé comme tuile de sol, peut être tourné avant la construction. La fertilisation, irrigation. Je ne sais pas. C'est nouveau. Ça fait partie de l'agriculture à l'update, pardon. Et je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ok, alors ici, on va mettre un manuel airlock. Et nous allons continuer... Creuser là-haut. Très bien. Alors, au niveau nourriture, c'est toujours pas bon. Alors, niveau de cidre, on va en mettre là. Et on va voir ce qu'il nous en raconte. Là, ça a l'air d'être mieux. Ok. Alors ici c'est bon, on peut refermer. Non, auto. Très bien. C'est reparti.
ici on peut allumer car on a assez de l'hydrogène. Très bien. D'eau. Alors pour l'instant tout va bien au niveau des lits. Ici on va mettre un peu de décor. On va mettre de quoi générer de l'oxygène. Comme on a assez d'eau, ça va aller tout seul. Alors ici on va mettre ça. Job. Ok, c'est bon. Au niveau des corps, c'est bon. Alors, il me faut un peu d'électricité. Eh bien, on va en donner. Et il me faut un peu d'eau. On va lui en donner aussi. Alors, on va commencer à isoler aussi, hein. Hop. L'isolation, c'est important. Ok, on va mettre un peu de stockage. Un nouvel arrivant. Alors 6. Ah, technicien niveau 10. Bon, technicien qui ne peut pas cuisiner, mais ça c'est pas grave. Oh, joli. Un plus 5 à creuser. Moins 20 en attente de décor. Mais il veut pas faire de l'art. C'est pas grave ça. Et oh, tinkering plus 5. Donc oui, c'est très beau. C'est très beau. Il est pris. Très bien. Alors, en parlant d'art, on va continuer à construire. Donc ici, c'est très bien aussi. Ça se met en place. Ici, on peut dire de tout capturer. On va mettre un airlock. Au niveau oxygène, ça va, c'est plus ou moins bleu. Ici, à part le petit coin là où ils dorment, tout est bleu, mais ils devront plus dormir très longtemps là.
Ok. On a besoin de pomper ici l'air. Donc les pompes, c'est là-dedans. On va pomper l'air. Et on va filtrer pour ne garder que l'air sain. Donc comment on va faire ça? Oui, en fait, on pourrait ici. Donc, on va mettre de chaque côté de quoi ok. Donc là, au niveau oxygène, c'est bon. Oh là. Il y a un petit souci. Ils savent plus où aller. Alors ici, le tuyau, il va juste descendre. Et il me faut du courant. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors ici, on va un peu améliorer les choses avec gaz filter ici, et surtout on va supprimer ça et ça. Ok, ce qui fait que maintenant tout ce qui vient du haut va retourner en haut, tout ce qui vient du bas va retourner en bas. Et ça va remonter, hein, par effet de... Donc, voilà. Ça permet d'avoir un filtre à peu près actif. Ça devient respirable ici. Très bien. Ici, on se rapproche un peu trop de l'eau, hein. Et ça, c'est pas bon. Alors, ce qu'il me manque, c'est de quoi faire du fertilisant, du compost. Voilà, et ensuite ici, encore un peu de terrarium, parce que ça ne transforme pas assez vite l'oxygène, enfin le CO2 en oxygène. Parfait. La nourriture, c'est bon. Le stress, c'est super. Alors, que demande le peuple?
Alors ici on va tout supprimer et enlever. C'est parfait. Alors ici c'est la nuit. Les pompes fonctionnent bien, les filtres aussi. On va supprimer un lit. Ok. Très bien, ici ça commence à devenir bon. Ah bah il récolte automatiquement maintenant, c'est très bien. Et donc là, je peux commencer plutôt à faire des lice loaf au lieu des mesh bars. Alors, ça va commencer à être bon pour pouvoir pomper. J'ai pas envie de tout faire tomber. En tout cas, pas comme ça. Il faut que je trouve un moyen de tout faire tomber correctement par ici, comme ça. Donc pour cela, on va d'abord ici mettre ça. Une petite échelle ici. Voilà. On va creuser ici. On va mettre une porte manuelle ici. Une porte manuelle ici. Ici et là. Et bien entendu ici. Alors, un nouveau 2, 7 et 5. On rejette tout. Ils sont mauvais. On n'en veut pas. Un doute sur le fait que tout ça va pouvoir être contenu là-dedans. Faudra que je creuse un peu plus. Enfin, on va laisser d'abord comme ça, on les laisse dormir.
C'est très bien. Le chantier avance bien. Ici, on va creuser un peu plus profondément, mais par là. Même dire d'aller jusque là. Ok. On est bientôt prêt à faire couler. C'est de l'argile, c'est du granit, une obsidienne. Non, il n'y a pas de sable pour dire de pouvoir avoir relativement facile. Ici, on peut creuser ça. Ok. Ce qu'on va faire encore, c'est cette mesh tile. Voilà. C'est très bien. Des gens peuvent creuser. Ok, on continue.
Ok, ici, on va continuer un peu avec du décor. Et surtout, des tables de messe. Alors, les tables de messe, c'est pas pour prier, ne vous en faites pas, c'est pour manger. Alors, pour l'instant, tout va bien. Allez les gars, je voudrais bien que vous alliez creuser. Vous êtes 14. Il y en a bien un qui peut aller creuser. C'est parti. Alors ici, on va creuser. On va d'abord vite mettre... voilà. Pour protéger. Ok. On peut choisir un nouveau duplicant. Il n'y en a aucun qui m'intéresse. On les rejette. Très bien. Alors, ici, on va faire un centre médical. Pour cela, il me faut donc... voilà. Un lit médical. Une pharmacie. Régénérateur. Alors, ça n'a pas l'air de casser ici. De javel. Ah voilà. Bleach stone. C'est pour créer de la javel. Ici une plante. Pincha pepper plant. Ah. Il y a quelque chose de spécial là. Vu le bruit.
Enfin. Donc là, tout va bien. Il faut du courant. Alors, le courant, c'est ici. Et allez. Non. Voilà. Et on creuse. On va faire tomber toute l'eau. Ici, on va faire deux lits supplémentaires et des tables de massage. C'est parti. L'eau va couler. Très bien, elle coule très vite. J'espère vraiment ne pas inonder le tout. Au pire, c'est pour ça que j'ai mis des portes aussi, hein. Tout le monde dort, tout le monde est content. La pompe fonctionne bien. Enfin, les pompes. Alors, ici. Et on va mettre une pompe. Les pompes, c'est là. Parce qu'on va récupérer le l'hydrogène. J'ai besoin de courant. Ok. Jusque là tout va bien. Alors, petite pompe pour l'hydrogène. Ok, on doit la relier au niveau du gaz. Alors, pour cela, on aura besoin ça va être comme ça. Ici, comme ça.
Ok. Voilà. Alors, l'eau ici, ça a bien diminué. Et ça continue à diminuer. Alors, on va un peu améliorer le courant électrique. C'est que ça pompe à partir d'ici, ça arrive là, ici, attention, oui, c'est engorgé. Allez, faudrait terminer les tuyaux là. Allez les gars. Ça ici, je peux encore mettre un petit électrolyseur. Voilà, et le hello. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a niveau 6, oh, niveau 13 artistes. À la limite. Alors en job, niveau 13 artiste, eh bien tu vas faire un peu d'art. Tu ne vas pas faire de compost. Tu ne vas pas faire de massage. Enfin, si tu peux aller te faire masser. Mais voilà. Au moins. Alors, voyons un peu comment ça fonctionne ici. C'est très bien. Alors ici, on va changer parce qu'on a bientôt plus de quoi faire du nice loaf.
Ok, c'est parfait, il n'y a plus rien qui coule. Mal de CO2 là-haut qui descend, qui va donc arriver ici. Faudrait pouvoir le pomper pour pouvoir le transformer. Et donc voilà, c'est plus ou moins stable pour l'instant. On vérifie. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus la prochaine fois? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pour chauffer des liquides. J'ai mis un frigo. Non, je n'ai pas mis de frigo. Je peux mettre un frigo. On va continuer alors à améliorer la nourriture avec un grill. Très bien, on continue. D'accord, il faut d'abord que je mette du courant. Je peux l'isoler. Non. Comment ça marche? Ah, ne peut pas traverser une tuile. Ça, c'est dommage. Tant pis. Avec. Ok, alors mesh fry. Déjà, on va juste faire de la friture de. Tu avais l'air un peu malade. Tu vas venir.
parfait. Ou presque. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est abîmé ici à chaque fois. Alors, on nous dit qu'on ne fait pas assez de génération d'oxygène. Pourtant, dans les pièces à vivre, ça va encore à peu près. Il y a peut-être ici pas assez d'oxygène. Mais à part ça... ça a l'air d'aller. On nous dit aussi qu'on ne fait pas assez de nourriture. Je vais faire 2-3 frigos en plus. Un peu de courant. Et on peut enlever le... Alors, dans les jobs, combien peuvent cuisiner? 2, 3. On va mettre Eve en plus. Il n'y a pas énormément en cuisine, mais ce sera déjà mieux ça que rien. Parce que là, on ne fait pas assez de nourriture et... Alors, 6, 7 et 10... ouais, 10... Non, allez, on les rejette tous. C'est très bien. Et on va s'arrêter là. Eh bien, on avance bien. On avance même très bien. Pour l'instant, il n'y a rien à redire. Et donc, on va continuer ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos en attendant. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Portez-vous bien. Bye.